Une seule question, Guruji. Nous, les êtres humains de la Terre, sommes-nous ici par hasard ou par choix de Dieu ou d'une quelconque puissance supérieure? Pourquoi sommes-nous sur cette planète? Par accident ou du fait d'une puissance supérieure? Je pense que même la planète se le demande. Pourquoi diable ces êtres humains sont-ils venus ici? Voyez, le système solaire, tel qu'il est, ainsi que les autres systèmes de l'univers, les galaxies, ils ont tous lieu parce qu'ils en arrivent à une certaine perfection géométrique. Géométrique dans le sens où, là maintenant, cette planète tourne autour du Soleil, elle a trouvé son orbite parfaite. Donc elle tourne et tourne et tourne. Pas propulsée par un moteur ou autre. Voyez, l'avion avance, propulsé par des moteurs. Il est poussé. Elle n'est pas poussée. Elle a simplement trouvé une certaine perfection géométrique et elle continue. Le jour où elle perd sa perfection géométrique, si elle perd sa trajectoire orbitale, c'est fini. Donc, dans ce processus, la vie a lieu sur cette planète en impliquant également cette géométrie à divers niveaux. On dit, dans la culture yogique, on dit qu'un être humain, physiologiquement et en termes de cerveau, a atteint son apogée, physiologiquement. C'est-à-dire que dans un million d'années, il n'y a pas une corne qui va vous sortir de la tête ou autre. De même que la queue a disparu, autre chose va disparaître. Cela ne peut pas arriver. On dit cela dans un certain contexte. Aujourd'hui, les neuroscientifiques modernes disent des choses similaires. Ils disent que la taille du neurone dans le cerveau humain ne peut pas augmenter et que le câblage intérieur ne peut pas se développer non plus parce que les lois physiques ne le permettent pas. Les lois de la physique ne le permettent pas. Je ne vais pas entrer dans les détails de la chose. Pour le dire très simplement, la façon dont on voit ça, c'est que votre naissance ici, là maintenant, toute vie sur cette planète est alimentée par le soleil, n'est-ce pas? Oui? C'est l'énergie solaire qui fait tout ça. Et de plus, les révolutions et les rotations de la Lune ont aussi une influence sur nous. L'océan lui-même monte et descend avec le mouvement de la Lune. Ce n'est que parce que les corps de nos mères étaient en phase avec le cycle de la Lune que nous sommes nés et que nous sommes ici. Oui? Si ce cycle de 28 jours de la Lune ne se répète pas dans le corps d'une femme, vous et moi ne serions pas nés. Donc, comme ça en est arrivé là, on dit que les lois physiques en sont arrivées à un certain point où la vie sur cette planète ne peut plus évoluer davantage. Vous pouvez faire usage de ce que vous avez bien mieux. En utilisant la même technologie, on a eu un bête téléphone, puis on a eu un smartphone, et maintenant un iPhone, et ainsi de suite, on peut continuer à l'améliorer, la façon dont on l'utilise. Mais les lois physiques fondamentales ne vont pas permettre une quelconque évolution supplémentaire de cette créature. Donc, est-ce arrivé par accident? Non. La théorie de l'évolution. Vous connaissez Charles Darwin, qui a fait de vous un singe. Pas moi, lui. Si vous regardez la théorie de l'évolution, qui a été proposée il y a juste 150 ans, nous avons dit ça il y a des milliers d'années, dans le sens où... Vous connaissez les 10 avataras? Vous en connaissez au moins 9, ceux qui sont venus. Quel est le premier? Matsya Avatara. Matsya Avatara veut dire poisson ou vie aquatique. Toute vie sur cette planète a commencé sous l'eau. Quel est le prochain avatara? Kurma avatara, amphibien, comme une tortue, moitié dans l'eau, moitié sur terre. Le suivant est Varaha avatara, un cochon ou un sanglier. Parmi les mammifères, un animal qui est fortement, fortement enraciné dans son corps est le sanglier. Voyez, on vit à côté de la forêt, on voit ça. Les garçons tribaux peuvent tuer un cerf avec un bâton. Si vous le frappez avec un bâton, il va tomber raide. Les chiens locaux chassent le cerf. Mais un sanglier, essayez de le tuer et voyez, ce n'est pas facile de le tuer. Vous l'écrasez avec une voiture, sa colonne est cassée, il va quand même continuer, il ne va pas s'arrêter. Parce qu'il est très enraciné physiquement, sa vie est très physique.
Donc la prochaine forme de vie est Varaha Avatara. Cela veut simplement dire que le créateur s'exprime. D'abord sous forme de poisson, puis de tortue, puis de sanglier. Le suivant est Narasimha, mi-homme, mi-animal. Le suivant est Vamana, un homme nain. Le suivant est un homme pleinement développé, mais émotionnellement volatile, Parasurama. Le suivant est un homme pacifique, qui est Rama. Le suivant est un homme aimant, qui est Krishna. Le suivant est un homme méditatif, qui est un Bouddha. Le suivant est censé être un être mystique, encore à venir. D'accord ? Il y a une progression vraiment parallèle à la théorie de l'évolution de Darwin. Oui ou non ? C'est dans le même ordre, exactement dans le même ordre. Darwin a proposé sa théorie il y a seulement 150 ans. Cela a été dit il y a 12 à 15 000 ans. Adiyogi lui-même en a parlé. Donc, si vous observez la vie, vous pouvez clairement voir qu'à partir de l'inanimé, une vie basique s'est formée. À partir de ça, la vie a évolué. On l'a toujours vu de cette façon. On a toujours vu que la vie a évolué. Constamment, on a... Dans chaque temple où vous allez, il y a un serpent. Il y a divers symboles tout autour. Parce que même aujourd'hui, dans votre cerveau, une partie de votre cerveau est un cerveau reptilien. Vous savez, la partie centrale de votre cerveau est encore un cerveau reptilien, et il fonctionne toujours. Et on a différentes pratiques de yoga pour voir comment transcender ce cerveau reptilien et permettre au cortex cérébral de fonctionner. Et aujourd'hui, on a des preuves scientifiques qui vous le montrent. L'Université de Californie a fait des études scientifiques sur Shambhavi Mahamudra, la pratique de base que l'on enseigne habituellement. Et ils disent que si vous pratiquez Shambhavi Mahamudra pendant 3 mois, la régénération neuronale augmente de 241%. Un pourcentage qui n'a jamais été constaté dans l'histoire d'aucune recherche. D'accord ? Juste une pratique simple de 21 minutes. 241% d'augmentation de votre fonctionnement cérébral et de votre régénération neuronale. Ce qui veut dire qu'en vieillissant, vous allez devenir plus intelligent. Habituellement, les jeunes pensent que vous devenez stupide. Oui, votre cerveau se développe à vrai dire. Vous comprenez ? Il s'améliore de jour en jour. Maintenant, il y a des preuves scientifiques, on l'a toujours su, mais aujourd'hui, une mesure doit le dire. Si un homme le dit, ce n'est pas vrai. Si un homme le dit, c'est douteux. C'est une mesure qui doit le dire. Maintenant, les mesures le disent. Les mesures disent que votre cerveau se développe effectivement en faisant une pratique simple de 21 minutes. Et ne croyez pas les mesures. Faites juste la pratique pendant 3 mois et voyez. Vous verrez à quel point votre mental est clair et intelligent tout à coup.